normal. Vous aurez des heures en plus, donc histoire géo arabe et des heures en plus en arabe. Mais c'est un avantage. C'est un avantage pourquoi? Déjà, dès qu'on sait que vous êtes un élève en OIB ou en BFI, on se dit c'est quelqu'un qui fournit plus d'efforts que les autres, c'est quelqu'un qui s'investit plus et qui sait plus. Parce que c'est des connaissances qu'on vous donne pas en seconde générale. La charge de travail, en seconde, c'est largement gérable. Largement gérable, il n'y a pas de souci. Certes, c'est vrai que vous allez sortir enfin, ça dépend des emplois du temps. Encore une fois, le lycée, il est grand, il y a plein d'élèves, mais normalement, ça devrait le faire. Mais après, l'année de seconde, moi, je vous dis, prenez OIB. Pourquoi? C'est une année de test, en fait. Si ça ne vous plaît pas, en fin de seconde, vous pouvez l'enlever. Il n'y a pas de souci.